même ça, il y a alors, si magique, les amis, tout le monde, il y a un peu de temps, il faut personnage, il y a observé, et puis il faut un magasin, il y a un. Et ça, quand même, il y a un gars qui a une idée. Parce que, pour ça, avec le personnage, et c'est même si on est dans un niveau, ça, ni au niveau, ça, c'est important. Oui, il y a un. Donc, il faut d'abord connaître l'état psychologique du personnage. Ok. Vas-y, mais t'as besoin d'un ami. Maman. Si, magique. Connaître. Ton texte. Ah. Te faire entendre, connaître ton texte, te faire entendre et te faire comprendre. Ok, merci beaucoup. Voilà. Je dirais tout simplement, si magique est un ici, si l'animal est là, sans qui? Magique, ça bon et ça, ça mais tout là, y a mon tout là, pour obtenir ça, obtenir ça, personnage encore. C'est-à-dire, tu vas te dire, merci monsieur Marie, viens nous garder ma parole. Naï, la reine, je joue la reine. A qui n'a mon tout là? Sont les trois questions. Voilà. Très bien. C'est celui qui dit tout haut ce que les autres chuchotent tout bas. C'est-à-dire, ils sont pour ça, la chose à l'abonnement. Mais c'est ça, c'est que, oh bon, au moins, ma femme n'est pas la mboka, yo le vide bon. Ma femme est bon, 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 tu parleras, artiste, tu dois parler parce que voilà, vous avez l'idée de vie. Ce qui vient subitement sur scène, derrière le magique. Créer une histoire sur scène. Créer une histoire sur scène. Improvisation. Okay. Improvisation, la création. Okay. Merci. L'improvisation, ils ont un rôle vraiment préparé pour mettre en pratique. Comment? L'improvisation, ils ont vraiment préparé mais pour mettre en pratique. Les logos non préparés? Non préparés, mais pour mettre en pratique. Okay. Mm-hmm. Merci. Merci beaucoup. Dans ma définition à Pino, en tant qu'artiste, et mon ami que vous avez quand même à moi idée sur. Il y a pour ça une définition en général. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Voilà, en général. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Mais l'improvisation théâtrale, puisque nous avons notre théâtre. L'improvisation théâtrale, pour théâtre improvisé, c'est la forme, c'est une forme de théâtre. Dans laquelle les scènes sont improvisées. Pour faire ma théâtre, ça va théâtre, mais sur le théâtre en général, je crois, vous pouvez appeler ça une définition de la théâtre. Et généralement,
théâtre n'engue et banda, ça, soit pour la texte, ma personne va dire, dans le théâtre d'écrit, pour Molière va pour moi, Mikanza va pour moi, Banzei va nous ça va pour moi. Au vue texte, pour mémoriser. Ou bien mon déroute au total, a commis scénario naïe, après Sibino, même si on a commis dialogue, mais vous voyez quand même, vous n'allez pas dire ça. Maintenant, performiser, vous improvisez des scènes. Sans répéter. Je crois que c'est clair, pour que ma définition soit respectée. On a conservé un peu. Alors, la monnaie qui sonne sera aux abattus à théâtre, au théâtre populaire, au salle à la barre. Au salle à la barre, ok, au salle à la série télévisée. Et tu utiliseras un peu mieux. Et improvisation, rôle d'amour et salini. Rôle d'importance d'amour et salini. L'improvisation permet aux comédiens. L'improvisation, ça permet aux comédiens d'aiguiser sa créativité. Vous avez le temps de bénéficier de la forme du doyen. Parmi les qualités d'un comédien, c'est la discipline. Et la discipline, c'est un concept qui englobe beaucoup de choses. Là, dedans, il y a la ponctualité, il y a la négation, il y a la volonté du travail, il y a l'amour du travail. Tout ça, ça fait. Si on dit aujourd'hui, je vais se retrouver à 10h, un acteur discipliné devait être là à 9h30. Le temps de se concentrer, et puis à 10h, on commence. Si vous n'avez pas ces qualités-là, il y aura des conséquences partout dans l'exercice de votre métier. Si on dit tournage, rendez-vous tournage, 8h, si vous n'êtes pas discipliné, vous faites la star, allez, c'est à 8h que vous vous réveillez, vous commencez à tirer le bain, le bain du bain. Et c'est à 11h que vous venez. Entre temps, maman Bellevue avait prévu un budget pour le tournage de 2 jours. Et quand vous commencez en retard, ça tire en longueur, ça fait 3-4 jours, le budget devient compliqué. Ah, ça c'est une première remarque. Et prochainement, vous voyez, il est entre 10h et 10h. Moi j'ai fait les cours. Je m'étais dit, je commence par le cours, je suis à l'université. J'ai raté un cours très important. Moi qui travaille, c'est très important. Moi j'ai appelé des choses qui présent commence à 10h. C'est fou le coup. Je dis pour la jeunesse, pour les artistes, je me sacrifie. Mais là, comme je disais à mes vieux, je commence à regretter mon avant-midi parce que je n'ai rien fait. Heureusement, j'ai eu des échanges très très sûrs avec les élèves. Ce qui fait que je m'en regrette. Merci beaucoup, merci d'être là. Alors, il m'a été demandé de partager avec vous sur l'improvisation. L'improvisation théâtrale. Il est difficile de prendre la parole devant mes aînés, mais bon, je vais donner ce qui est en ma possession comme connaissance et comme on a toujours dit qu'on n'a pas le monopole de la science. Certainement, je me serai complété par mes aînés. Et étant donné que vous êtes des artistes aussi, certainement vous avez quelques notions. Et c'est question de compléter ou d'échanger. Alors, moi, c'est un peu beau parce que vous avez la question. Mais je ne connais pas tout le monde, on va commencer par là. Il y en a que je connais, il y en a d'autres que je connais. Donc, on commence par là. Le vieux, vous connaissez, vous étiez là depuis le début? Oui. Ok. Ouais, non. Non. Ah, elle est venue déjà. Vous allez bien? Vous me connaissez, non? Okay.
naïne n'a pas salaire à mon nom. Ok, maman, bijou la reine. Bonjour. Bonjour. Bijou la reine, coupe le temps de la grâce. Amen. Amen. Wow. Bonjour tout le monde, artiste comédien au sein du groupe Amalini, président d'Aposta et puis Delta Force, président Delta. Ok. Oh, Delta Force. Oui. Autant sur la même. Ok. Ok, merci beaucoup, chers amis. Alors, tout à l'heure, vous avez le temps de bénéficier de la forme du doyen, du Benzaï. Parmi les qualités d'un comédien, c'est la discipline. Et la discipline, c'est un concept qui englobe beaucoup de choses. Là, dedans, il y a la ponctualité, il y a la négation, il y a la volonté du travail, il y a l'amour du travail. Tout ça, ça fait. Si on dit aujourd'hui, je vais se retrouver à 10h, un acteur discipliné devait être là à 9h30, le temps de se concentrer. Puis à 10h, on commence. Si vous n'avez pas ces qualités-là, il y aura des conséquences partout dans l'exercice de votre métier. Si on dit tournage, rendez-vous tournage de 8h, si vous n'êtes pas discipliné, vous faites la star, allez, c'est à 8h que vous vous réveillez, vous commencez à tirer le bain, le bain du bain, et c'est à 11h que vous venez, entre-temps. Maman Bellevue avait prévu un budget pour le tournage de 2 jours et quand vous commencez en retard, ça tire en longueur, ça fait 3-4 jours, le budget devient compliqué. Ah, ça c'est une première remarque. Et prochainement, voyez, il est entre 10h et 10h. Moi j'ai fait les cours. Je m'étais dit, je commence par le cours, je suis à l'université, j'ai raté un cours très important. Pour moi qui travaille, c'est très important. Moi j'ai appelé des choses qui présent commence à 10h. J'ai fait le coup, je dis pour la jeunesse, pour les artistes, je me sacrifie. Mais là, comme je disais à mes vieux, je commence à regretter mon avant-midi parce que je n'ai rien fait. Heureusement, j'ai eu des échanges très très sûrs avec mes élèves, ce qui fait que je m'en remercie. Merci beaucoup, merci d'être là. Alors, il m'a été demandé de partager avec vous sur l'improvisation. L'improvisation théâtrale. Il est difficile de prendre la parole devant mes aînés, mais bon, je vais donner ce qui est en ma possession comme connaissance. Et comme on a toujours dit qu'on n'a pas le monopole de la science. Certainement, je me ferai compléter par mes aînés. Et étant donné que vous êtes des artistes aussi, certainement vous avez quelques notions. Et c'est question de compléter ou d'échanger. Alors, moi, c'est un peu beau quand vous avez la question. Je ne connais pas tout le monde. Si on peut commencer par là. Il y en a que je connais, il y en a d'autres que je connais. Donc, commence par là. Le vieux, vous connaissez, vous étiez là depuis le début? Oui. Ok. Ouais, non. Elle est venue déjà. Vous allez bien? Oui. Vous me connaissez, non? Ok, maman, bijou la reine. Bonjour. Bonjour. Bijou la reine, coupe le temps de la grâce. Amen. Amen. Wow. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Artiste comédien au sein du groupe Amalini, président d'Aposta et puis Delta Force, président Delta. Ok. Oh, Delta Force. Oui. Autant sur la même. Ok. Ok, merci beaucoup, chers amis. Alors, tout le monde, le week-end.
Et non, ça va, vous avez bien compris. Là, vous. Oui, à ça, va. Non, non, après, ça a un bon mot. Voilà, vous avez dit, après, ça a été que, au moins, vous avez dit, n'allez pas, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, ça, c'est un artiste. Vous savez, Baroba, artiste, c'est celui qui dit tout haut ce que les autres chuchotent tout bas. C'est-à-dire, ils sont pour ça, dans tout ça, vous avez dit, vous avez dit, oh bon, au moins, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, bon. Le poète, tu parleras. L'artiste, tu parleras. Artiste, tu dois parler parce que voilà, vous avez l'idée de lui. Ce qui vient subitement sur scène, derrière le mal. Créer une histoire sur scène. Créer une histoire sur scène. Improvisation. Improvisation, la création. Merci. Improvisation, c'est un rôle que nous avons préparé pour mettre en pratique. Comment ? Improvisation, c'est le rôle que nous avons préparé mais pour mettre en pratique. Les rôles non préparés ? Non préparés, pour mettre en pratique, pour mettre en pratique. Merci beaucoup. Dans ma définition à Bino, en tant qu'artiste, et mon ami que vous avez quand même à moi idée sur l'improvisation. Donc vous avez idée, il y a pour ça une définition en général. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Voilà, en général. Quelque chose qui n'est pas prévu. Mais l'improvisation théâtrale, puisque vous avez votre théâtre. Improvisation théâtrale, pour théâtre improvisé. Et la forme, c'est une forme de théâtre dans laquelle les scènes sont improvisées. Pour la forme de théâtre, ça va théâtre, mais sur le théâtre en général, je crois, pour lui appeler ça une définition de théâtre. Et généralement, théâtre n'est qu'un épandage, ça, soit pour un texte, ma façon de théâtre, dans le théâtre écrit. Va Molière va Kouma, va Mikanza va Kouma, va Nzei va Moussala va Kouma. Vous avez un texte pour mémoriser. Ou bien Modéo Totokani a commis scénario naïe, après Sibino, même si on a commis dialogue, mais vous voyez quand même dans les voies des résultats. Mais là, vous improvisez. Vous improvisez des scènes sans répéter. Je crois que c'est clair, vous avez une définition comme ça. On a conservé. Alors, la monnaie qui sonne sur la dosa battue à théâtre, dosa battue à théâtre populaire, dosa la bas, dosa la bas, ok, dosa la bas série télévisée, et dosa utilisera la mobile. Utilisera la mobile. Et improvisation, rôle d'amour des amis. Rôle d'importance d'amour des amis. L'improvisation permet aux comédiens. L'improvisation, ça permet aux comédiens d'aiguiser sa créativité. Alors, tout le monde le vide. Pas comme le vôtre, le vide. Et. Bien au travail, vous avez bien compris. Là, vous. Vous voyez à ça, là. Après, ça a un bon mot. Voilà votre nom. Tu as plus adapté que au moins, la fin avec T. N'allez pas plus à moi, la négat le vin avec sa femme, moi, l'innova. Ça, c'est un artiste. Vous savez, Baroba, artiste, c'est celui qui dit tout haut ce que les autres chuchotent tout bas. C'est-à-dire, ils sont pour ça dans tout ça, vous n'avez pas. Ils sont adaptés que oh bon, au moins, ma femme n'est pas la mboka, yo, le vin de bon. C'est pour le bas. C'est la première moment où tu dois déclamer dans la humanité. Le poète, tu parleras. L'artiste, tu parleras. Artiste, tu dois parler parce que vous avez l'idée de lui.
pas discipliné. Ce qui vient subitement sur scène, derrière le maître. Créer une histoire sur scène. Créer une histoire sur scène. Improvisation. Okay. Improvisation, la création. Okay. Merci. Improvisation, ils ont un rôle vraiment préparé pour mettre en pratique. Comment? Improvisation, c'est le rôle vraiment préparé mais pour mettre en pratique. Les rôles non préparés? Non préparés, mais pour mettre en pratique. Ok. Donc, merci beaucoup. Là, ma définition à Bino. En tant qu'artiste, et moi j'ai dit que vous avez quand même à moi idée sur l'improvisation. Donc vous avez idée, il y a pour ça une définition en général. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Voilà, en général. Quelque chose qui n'est pas prévu. Mais l'improvisation théâtrale, puisque vous avez votre théâtre. Improvisation théâtrale, pour théâtre improvisé, c'est la forme, c'est une forme de théâtre. Dans laquelle les scènes sont improvisées. Pour faire ma théâtre, ça va théâtre, mais sur le théâtre en général, je crois, pour lui appeler ça une définition de théâtre. Et généralement, théâtre n'est qu'un épandage, ça, soit pour un texte, ma personne va théâtre, le théâtre est écrit, pour ma Molière va pour moi, ma Mikanza va pour moi, ma Zey va nous salle va pour moi. Au vu texte, vous pouvez mémoriser. Ou bien mon dévot de Totani a commis, scénario naïe, après Sibino, même si on a commis dialogue, mais vous voyez quand même dans les voies des résultats. Mais là, vous improvisez. Vous improvisez des scènes sans répéter. Je crois que c'est clair, c'était ma définition sans difficulté. On a conservé un peu. Alors. La monnaie qui sonne sera aux abattus à théâtre, tout ça à théâtre populaire, tout ça là-bas. Tout ça là-bas, ok, tout ça à la série télévisée. Et tout ce qui est à la commune. Tout ce qui est à la commune. Et improvisation, rôle d'amour des amis. Rôle d'importance d'amour des amis. L'improvisation permet aux comédiens. L'improvisation, ça permet au comédien d'aiguiser sa créativité.